Salut à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous pouvons faire papier N2 de mai-juin 2021. Alors, sans plus tarder, passons à question numéro 1. Alors, question numéro 1, nous besoin. Write 0,45 as a fraction in its lowest term. Mais nous besoin comprendre qu'il y a 0,45. Normalement, on est capable de réécrire ça. 45 divisé par 100, d'accord? 0,45 égale ça. C'est ça, c'est une fraction. Nous allons essayer de simplifier ça. Il finit par 5, finit par 0. Nous pouvons diviser par 5. Diviser par 5, top gain. 2, 0. Diviser par 5, top gain. 9. La réponse, vous venez. 9 low 20. Fraction in its lowest term. C'est partie A. C'est passons à question partie B. Write these fractions in order of size, starting with the smallest. C'est-à-dire que nous avons réarrangé ces trois fractions-là dans l'ordre plus petit jusqu'à plus grand, dans ascending order. Assez de trouver qu'ils ont une base différente, alors nous prenons la façon pour comprendre facilement. Si nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas, sans cette base, faire une 20. Parce qu'il est facile pour faire ça une 20, et que ça une 20, c'est la cause ça nous fait une 20. Il y a une raison derrière ça. Ben, voilà. Alors, nous essayons ça. Par exemple, 4 ou 5. Comment tu peux faire 5 minus 20? Deux fois par 4. Mais quand tu fais en bas par 4, tu as aussi fois là-haut par 4. Qui fait? Parce qu'il te pas vu sans sa fraction-là. Les bovines, 16, l'eau 20. Ça, c'est pareil. Donc, on a 7 l'eau 10. Alors, comment tu fais 10 minus 20? Tu as fois par 2. Deux fois là aussi par 2. Donc, on a 14, l'eau 20. Alors, ça, c'est 16, l'eau 20. 14, l'eau 20. C'est 17 l'eau 20. Assez, starting with the smallest, laquelle plus petit? Trouvez qui sera là, 14 l'eau 20. Alors, ça veut dire 7 l'eau 10 pour commencer plus petit. Là, nous voilà, 4 l'eau 5. Et finalement, 17 l'eau 20. Assez, question numéro 1. Assez, passons à question numéro 2. Complete the description of the symmetry of each shape. OK, symmetry de man shape là. Pour le premier shape, nous devons une n. N, D, 3, 4, 5, 6, un hexagone. D'accord. C'est comme un lines of symmetry, il y en a. Nous devons faire une observation. Il y en a. Ici, one line. D'accord. Par exemple, nous devons, bien sûr, nous devons essayer n par n, qui nous peuvent gagner ou qui nous peuvent observer avec nos dessins. Par exemple, si vous laissez la ligne ici, trouvez qui? C'est une ligne de symétrie, par exemple. OK? Nous, c'est là aussi, une ligne de symétrie. Et là aussi, une ligne de symétrie. Est-ce qu'il y en a encore? Par observation, non, il y en a juste trois. Alors, trois lignes de symétrie. Qu'est-ce que c'est rotation symétrie? Ça veut dire, si tu commences ta position ici, là, nous devons roter 360, nous devons compter combien de fois. Ça shape là, les réapparaître. Combien de fois les matchs? Par exemple, si je tourne ça ici, niveau match, n fois, 10 fois, et 3 fois. Alors, réponse 23. Mais bon, pour qu'on ait un peu difficile pour comprendre ce concept là, d'après l'explication là, ce que je vais pouvoir faire après, c'est me remettre une vidéo après la question là, c'est pour comprendre ce qui peut arriver et comment je compte order of rotation symétrie. Ok? Alors ici c'est très simple, par observation, comme la ligne de symétrie n'est pas nulle, nous prenons 0 parce que là il n'est pas match, il n'est pas match, il faut 0. Par observation, nous trouvons les 0. Ça aussi, qu'est-ce que rotation symétrie? Alors nous allons arrêter. Nous commençons par là, nous allons roter de sa part 360 et nous compter combien de fois les matchs. Alors, trouver ça là-haut là. Nous allons roter sa part. Là-haut, une fois, et que des fois. Alors, trouver order de 2. Mais comme on expliquait, il est un peu difficile de comprendre dans la question, comment on va faire les live. Ce qu'ils sont capables de faire, c'est qu'ils sont capables de mettre une vidéo après cette question-là, pour vous comprendre ce qui peut arriver. Alors, pour l'instant, réponse pour 3 ici, par observation. Réponse pour 0 par observation. Et ça, c'est rotation symétrie. OK, ça, c'est question numéro 2. On a un shape ici, là, par exemple, on a un S là. Et quand on rotate ça pour 360, on trouve ce rotation symmetry pour un order 2. Alors, par exemple,
Trouver. Nous commençons depuis là. Nous rotons ça. 360, trouver pendant deux fois même images. Alors là, c'est 181 fois. Et 360, deux fois. Et c'est pour ça, so, rotation symétrie all the two. Alors, par exemple, ça là, de trouver, nous prenons ce all the two pour 3. Commençons depuis là. Rotate 360. On a commencé. Une fois. Deux fois. Et retourne position initiale. Trois fois. Et c'est comme ça que tu rotes rotation symétrie. Passons à la question numéro 3. A group of 60 students were asked their favorite fruit. Ça veut dire que j'ai un groupe de 60 élèves en tout. Le demande zut, qui sont les fruits favoris? Alors, c'est nous dans le groupe de là. Il y a 20 élèves comptant pommes, 25 élèves comptant bananes et 15 élèves comptant oranges. D'accord? En tout, nous prenons, bien sûr, 60 élèves. Cette question, c'est complete the pie chart. Très simple. Pour compléter un pie chart, nous avons ce long, qui long prenant, qui représente chaque catégorie fruits. Alors, pomme, nous les avons ici. Donc, on continue avec banane. La banane pour 25, l'eau 60 fois 360. Couper, couper. N, vitamine, 6. Alors, 25 fois 6. 5 fois 6, ça fait 30. 2 fois 6, ça fait 12, plus 3, ça fait 5. Alors, l'angle qui nous faisait montrer pour banane, c'est 150. Alors, nous allons mesurer avec nos instruments. Alors, mesurer ici. Alors, ça, c'est le centre ici. Alors, 0, il est là. 0, 10, 50, 90, 150 et bon, environ ici. Alors, nous joignons ça avec ça pour former nous pie chart. Okay. Ça, c'est sans banane. Capable bien sûr montrer qu'il te comprend, qui est long ici, là, les bizarres. 150. Évidemment, ça, là, les remaining angles, les bizarres. Orange, orange. Et aussi, tu es capable de montrer que tu es un grand point. L'angle ici, là, il est 90. Tu es capable de shoot au walk, bien sûr. 15 oranges. L'eau 60 fois 360. Couper, couper. N, 6. 15 fois 6, fais-toi 90. Là, ça, c'est question numéro 3. Reste passons à question numéro 4. Nous faisons write this à numéro-là. Correct, the nearest million. Alors, très simple. Donc, on a un million, nous avons un, c'est 0. D'accord? N, D, 3. N, D, 3. Ça, c'est 1 million. Nous avons un, c'est 0. Alors, nous comptons ici. N, D, 3. N, D, 3. Alors, faisons 64,785491 million. D'accord? Mais, si tu veux écrire correct, the nearest million. Alors, vous inquiétez ça, le numéro ici là. Nous réalisons que le numéro là, les 7, 7 les plus grands qui 5, d'accord? La course nous a ajouté n avec le numéro devant là. Alors, 64 plus n, fais-toi, 65. Alors, réponse vient, 65 millions, millions. Soit capable d'écrire, bien sûr, 65, nd3, millions, to the nearest millions. Ça, c'est la question partie A. C'est partie B. By writing each number correct to 1SF, estimate sa valeur là. Alors, n pour n. Premier numéro de là, 67,8. Assez, nous écrire correct to 1SF. Alors, nous, laisse premier numéro là en place. Nous quittons ça là. Ça, nous demandons est-ce que le numéro là est plus grand ou égal à 5? Alors, 7, bien sûr, plus grand que 5. Alors, cause, nous ajoutons n avec le premier numéro. 6 plus n, fais-toi 7. Et que les restes viennent 0. Ok. La même étape pour ça là. Nous prenons 49,5. Nous laissons pour mettre là en place. Bien sûr, la cause du 1SF. Est-ce qu'il y a un numéro ici là? Les plus grands ou égal à 5? Réponse est oui. La cause du plus n avec ce numéro là. Fais-toi 4 plus n fait 5. Là, les restes viennent 0. Et ici, nous avons 0.
Premier, nous sommes capables d'ignorer la parole, nous prenons le mot en don, le pour n, 0.n87. Assez, quand nous estimons correctement 1SF, nous devons ignorer. Si le numéro commence par 0, nous ignorons 0, nous comptons à la, ça c'est le premier numéro, nous laissons 1SF, et nous laissons à la, est-ce qu'il est plus grand ou égal à 5? Réponse est oui, alors, n plus, nous avons plus n, c'est-à-dire 0.2, là, les restes viennent 0. Assez, remplace dans nos fractions, nous prenons là-haut, les pour 70 plus 50, divisé par 0.2 square, bien sûr, nous power. Alors, simplifié, 70 plus 50 fait toi 120. Alors, 0.2 square, c'est 0.2 fois 0.2. Comment tu fais? Pour commencer, nous sommes capables d'ignorer le decimal place. 2 fois 2, c'est 4. Et là, ici, nous avons un décimal. Ici, nous avons un décimal. En tout, nous prenons 2 décimales. Alors, nous comptons n, 2, nous prenons les poulains. Alors, ça provient 0.04. Assez, nous sommes capables de simplifier, bien sûr. Divisé par 4, nous obtenons 0.01. Nous obtenons 30. Alors, 30 divisé par 0.01. Assez, nous comprenons qu'il y a 0.01. 0.01, c'est pareil qui n divisé par 100. D'accord? Alors, nous pouvons multiplier par 100 en bas là-haut. Nous obtenons 3000 ln. Alors, réponse souvient 3000. Estimate the value of this. Value within 3000. Ok, ça c'est question possible. Ça c'est passons à question numéro 5. Omar and Jalil shares $540 in the ratio of 7 to 2. Alors, ça veut dire que nous avons des élèves, des Jimun, Omar et Jalil, Jamil, je me partage un montant de $540 dans le ratio de 7 pour 2. Ça veut dire Omar a un ratio de 7 et Jamil a 2. Work out Omar share. Marie est simple. Mais nous connaissons en tout le nom 540. Ça veut dire en tout, c'est plus 2. Fait un 9. Ça veut dire 9 par les supposés en tout, fait un 540. D'accord? Numéro la part de Omar. Omar ligne 7. Alors 7 fait un combien 7 pour gagner 540 divisé par 9. Numéro n share fois 7. La division. Divisé par 9, donc n, donc 6, 0, t'as 420. Alors, au moins, pour gagner $420. À cette partie B, nous faisons increase 40 in the ratio of 5 to 8. Alors, très simple. Faites 40 divisé par 5 fois 8. T'as 8. 8 fois 8, t'as 64. Ok? Ça, c'est ce ratio initial. Donc, il faut avoir une 8, alors c'est pour ça qu'il ne fallait pas 8. Divisé par 5 pour nous, n par, fait à 8. Il ne fallait pas 8 pour ce new ratio, pour donner une réponse. Ça, c'est question numéro 5. Ça, c'est passons à question numéro 6. The base of a cuboid is a square with side length 4 cm. The volume of a cuboid is 48 cm cube. Alors, comment est le volume d'un cuboid? Donc, déjà, ce volume pour vous. Length times width times height. Mais comme on connaît sur base d'un square, ça veut dire sur length, sur width, ils apparaissent. Alors, nous prenons 4 fois 4 fois height pour ce volume. L'égal 48, notre valeur là. À cette personne, nous parlons de valeur de h sur height. Alors, h peut égal 48 divisé par 16. Alors, divisé par 16, soit par 4, 4. Donc, il y a n avec 2, divisé par 4, donc il y a 3. Alors, sur height, il est pour 3. Alors, par exemple, le cuboid, il y a un shape comme ça. Vous connaissez un shape là, il est comme ça. Ça, c'est le cuboid. D'accord? Alors, sur base, il est pour n, square, de 4 à 4, 4 par 4. Et sur height, il est pour 3. Ça, c'est nous, nous shape. Ça, c'est on the grid below. Complete the drawing of the net of the cuboid. Et nous avons ça en même partie, nous avons complété. Alors, pour commencer, nous avons planifié combien de sides nous avons dans notre cuboid. Nous avons N, D à l'arrière, D, ça va être 3, 4, 5, 6. Et en tout, nous avons 6 sides. Alors, pour commencer, nous avons sur base c'est 4 carrés, N, D, 3, 4,
N, D, 3, 4, c'est 4 par 4, d'accord? C'est ça, square base. Assez si tu besoin, coupe sa bout là, tu as besoin, length of 4, so hâte les 3, nous comptons 3. N, D, 3. N, D, 3. Bon, sa question, tu peux servir un peu ton imagination quand tu coupes sa boîte là. Qui pense ça, tu as besoin, d'accord? Alors, ça nous donne ça ici. Je donne ça avec ça. Ça, c'est deuxième side. Assez pareil pour pas les dire. Si tu coupes sa porte pour les là, donc pareil, ce so side est pour 4, ce so length est pour 3, d'accord? Ça veut dire 1, 2, 3. Pareil ici, 1, 2, 3. Assez. Si tu coupes sa side pour ici, là, ici, les pour. So base est pour 4, so height est pour 3, même affaire. On va compter. N des 3. Avec N des 3. Alors c'est une question qui est bien simple, nous besoin. Observer N par N qui nous est là. À ce point ici aussi, nous voilà. So base de 4, so height de 3. Alors nous copions, nous gagnons l'autre side. N des 3, N des 3. Alors, ça c'est. Nous cinquième side, mais nous connaissons en tout, nous avons six sides parce qu'il nous a un top. The top of the box qui aussi lit, nous a groupé. Alors, top là, l'ipou, ce side, l'ipou 4, par 4. Alors, nous avons compté. N, D, 3, 4. N, D, 3, 4. Voilà, ça c'est the top of the box. Ça c'est des parties qui nous a dessiné. Assez bien sûr, si tu as mis dessine sa porte là, ici, tu peux pas faire ça aussi, ça, tu peux pas venir là. Ok, il n'y a pas de problème. Mêmes affaires. Assez, question numéro 6. Assez, passons à question numéro 7. A bag contains colored counters. Ok. A counter is taken from the bag at random. Ça veut dire d'un sac normalement counters. Counters couleur rouge, vert, bleu et jaune. Nous prenons un counter de ce sac là. Ok? The table shows the probabilities, les probabilités of taking each counter. Complete the table. Alors, très simple, parce que nous connaissons en tout, sur un sens, nous devons ajouter ce sum, on appelle ça x. Ce sum, nous devons avoir une n. Alors, c'est 0.5 plus ça, fais-toi. 0.45 plus ça, fais-toi. Fais-toi 5 plus 2, c'est 7. 4 plus 4, c'est 8. 0. Alors, 0.87 plus x, supposé gain n. Parce que ça, c'est le somme de toutes les probabilités, tout le temps, always, donne-toi n. Alors, x, ça va aller là, donne-toi n retiré, 0.87. Réponse 1, 0.13. Ça, c'est, ça va aller ici, comme plignoté bon pour 2 points. Question numéro 7. Alors, passons à question numéro 8. Nous avons une fraction ici, retirer une autre fraction. Mais d'où est-ce que nous avons? Ban integers, on appelle ça ban proper fractions. Nous avons essayé de casser ça. Après, nous sommes capables de simplifier les. Alors, n pour n, comment nous casser ça? Nous avons 3 dès le 5. Pour mes affaires, nous faisons 3 fois 5, c'est 15. 15 plus 2 fait toi 17. 17 le 5. Comment nous casser ça? Nous prenons n, 3 le 4. Même affaire. N fois 4, c'est 4. 4 plus 3, c'est 7. 7 le 4. Alors, à ce stade, nous ne pouvons pas faire 17 le 5, retirer 7 le 4. Et à ce stade, l'autre problème, c'est qui? Cette base différente. À ce que nous faisons retirer, soit nous faisons plus, nous devons faire en sorte que cette base est pareille pour qu'il grave à ce là-haut. Alors, par exemple, comment faire? Nous devons. Et maintenant, on appelle ça méthode par LCM, ça veut dire que nous faisons multiplier par chacune. 5 fois 4 fait toi 20. Après, nous faisons cross multiply. 17 fois 4 fait combien? 17 fois 4. 7 fois 4 fait toi 28. N fois 4, c'est 4 plus 2, fait 6. 68. Ici, nous avons retiré. 5 fois 7 fait 35. Alors, 68, retiré 35, fait toi 3. Et 3, réponse 1, 33, le 20. Ça, c'est la réponse à partie 8. Mais tu es capable aussi simplifier parce que toute question est une bonne valeur là en tant qu'il y a une fraction comme ça. Mais ça convient à Chili, si tu as envie.
Top guy. N, de racine 13, nos 20. D'accord? Si tu aurais simplifié, n fois 20, c'est 20, plus 13, c'est 33. 33, nos 20, même affaire. Mais ça, c'est la réponse pour H8. Parce que, question de toi, ben, on va aller là comme ça, tu aurais tenu pareil. Ça, c'est question numéro 8. Alors, c'est passons à question numéro 9. Non. The sketch shows the positions of three villages. Alors, c'est un dessin de trois villages. Village A, B avec C. Ok. À ce qu'on trouve A, lit due east of B. Alors, A lit sa côté A de B. Alors, B ici, A lit ça, A lit là. Ok, ça c'est d'après le diagramme. À cette question, non. Use a ruler, c'est une règle et te compas, to complete the scale diagram, scale drawing of the triangle ABC using a scale of 1 cm for 1 km. Très simple. Alors, n km fait toi, 1 cm dans nous, d'un gramme. Ça veut dire, ça les plus 1, 9 cm. Ça les plus 1, 5 cm. Et ça les plus 1, 8 cm. Ok? Alors, n pour n, comment on peut faire ça? Alors, dans le diagramme, nous dessinons un point AB. Ça, c'est très bien. Alors, nous dessinons ça. Ça la ligne ici, là. Et ça, ici. Très simple. Donc, on lève. Donc, on lève des A. Nous aurons le point intersection, c'est point C. Alors, commencer un point. Nous mesure nous lève de 5 cm. Alors, 5 cm, fais-toi. Environ ici. Alors, ça, c'est. Depuis nos points A, par le côté C, 5 cm. Alors, la côte de nos points A. Nous mesurons 5 cm et nous dessinons un arc dans cette direction-là. Okay. Assez, depuis le point B, pour la côte CELI, 8 cm. Alors nous mesurons 8 cm depuis là. Assez, 8. Et nous avons la côte du point B. Et nous avons besoin de notre arc. Trouvé? Et que sa point d'intersection, c'est nous point C. Alors, quand on a un point là, il devient très facile. Nous avons juste besoin de ce point là avec B et avec C pour former le triangle ABC. Ok, ça c'est question partie A. Ok, assez passons à question partie B. Measure the bearing of C from B. Alors, comment on mesure? Alors, pour commencer, nous allons comprendre qui l'angle numéro D. Bearing of C, so of C from B, et puis B, numéro de sa langue ici là, from B, elle est là, par le côté C. Alors, le mesure avec nous, protracteur, le vin là. D'après mon dessin, bien sûr, de dessin capable de faire un ticket, ce valet est pour environ, elle est à 0, 0,90, et que là, le environ valeur 125. Alors, mon dessin peut montrer 125. Mais de valeur aussi, pour environ, c'est même valeur 125, 126 ou 127. Dépend de notre dessin. Ça, c'est question numéro 9. Passons à question numéro 10. Partie A. Write 270 as a product of its prime factors. Alors, pour qu'il nous capable de faire, hein, nous disons d'abord, write prime factors de 270, très simple. Commencez un par n. La cause 270 est un even number, n'est pas divisé par 2. Donc, okay. N, 3, n resté. Donc, okay. 5. L'infini par 5, n'est pas divisé par 5. Donc, okay. 2 ici. 3 resté. 7. Si nous connaissons 27, n'est pas divisé par 3. Donc, okay. 9, divisé par 3. Top 3. Alors, réponse 270 égale 2 fois 3 fois 3 fois 3 et fois 5. Ça, c'est un product de ce prime factors. Tout le numéro ici, même prime numbers. Ok, ça, c'est question partie A. À cette partie B, find the HCF, highest common factor, de ça et ça. Alors, pour qu'il y ait encore de ça, donc, si vous avez un prime factor de 225, alors 225. Divisé par 5, donc on gagne 4, 2 restés,
5. Divisé par 5, tu as gagné 9. Divisé par 3, tu as gagné 3. Alors, 225, fais-toi 3 fois 3, fois 5, fois 5. 270 égale 2 fois 3, fois 3, fois 3, fois 5. Alors, pour retenir SCF, c'est très facile. Nous retenons highest common factor. Vous avez match common factors. Alors, 3 matchs avec ça, 3 matchs avec ça, et 5 matchs ici. Alors, réponse devine. 3 fois 3 fois 5. Ça fait 9. 9 fois 5 maintenant 45. Réponse HCF, l'hypo 45. Ok. C'est passons à question numéro 11. Nous avons solve the simultaneous equation. Ça veut dire autre valeur de x et autre valeur de y. Alors, n pour n. Donc, on va faire rapport les deux premiers deux d'élimination, soit avec substitution, dépend de nos deux préférences. Par exemple, on va faire x in subject, ça a 2x pour égal 18 plus 3y, x pour égal 18 plus 3y divisé par 2. Ainsi, on va remplacer x dans ça x-là, d'accord? Dans 5 fois x, x est 18 plus 3y, log 2. Plus 2y égale 7. Simplifié. Donc, si tu as envie, tu peux faire ça en haut. Mais pour l'instant, tu trouves une D en bas ici. Okay, il y en a 2 ici. Si nous avons envie, élimine un 2 là. Donc, on va faire 2 pour tout. Ok? Donc, gain. 2 fois 5 fait 10. Divisé par 2 fait 5. Ça reste pareil. Mais 2 là, il faut éliminer. Et les restes pour 2 fois 2 fait 4y. Ça égale 14. Simplifié, 5 fois 18, 5 fois 18, 5 fois 8 fait 40, 5 fois n, ça 5 fois n c'est 5, 5 plus 4 fait 9, alors ça 9, 90, plus 15y égale, ça plus 4y égale 14, 19y égale 14 moins 90, alors 14 moins 90 fait combien? Donc moins 76. Ok? Alors, 19y égale moins 76. Y égale moins 76 divisé par 19. Fais-toi 4. Ok? Soit moins 4. Alors, x pour égal, on place ça à l'heure, t'as pour 18 plus 3 moins 4 divisé par 2. Alors, 18. Retirer 12 divisé par 2, tu as 6 log 2, tu as 3. Réponse x est 3 et y c'est moins 4. C'est réponse numéro 11. Solving a simultaneous equation, c'est-à-dire la valeur de x et de y. Passons à la question numéro 12. Partie A. Lara goes for a cycle ride. Ça veut dire Lara est en mode bicyclette. The distance time graph shows her journey. Alors, il y a un graphe ici de distance time graph. Ok. Question. Calculate Lara's average speed in kilometers per hour for the whole journey. Alors, comment on trouve average speed? C'est une formule. Average speed égale total distance log total time taken. C'est ça nos formules que nous connaissons. Alors, en tout, il monte. Ici, c'est combien? Mesurer. 20, 21, 22, 23, 24. En tout, il monte 24 km. Et que sur time taken? Fais-toi. 11h30. Il sur la case à 10h. Alors, sur time taken, il faut un temps et demi. C'est-à-dire 1,5 heures. D'accord? Parce que nous connaissons 30 minutes. C'est au fait 0,5 hours. Mais question pour demande-toi en termes de kilomètres par hour. Alors, 1,5 hours. Fais la calculation. Capable de diviser fois par 2 de côté, qui fait? Parce que ça, il y a 1,5 qui est plus difficile pour travailler avec une valeur décimale. Nous fois aller par 2 fois par 2. Top gain 48 divisé par 3. Divisé par 3, c'est-à-dire top gain 1 là. Et que ça fait toi n ici, x6, réponse 1, 16 km par heure. Réponse, partie A. Mais la chose principale qui nous a connu ici, c'est cette formule-là, c'est average speed égale
total distance, low total time taken. C'est ça le formule qu'il nous besoin de connaître pour nous faire question. Là. Et que le reste, vous allez lire dans nos graphes. Ça, c'est distance depuis la case, en tout d'un lieu, in travel, autant. Ça, c'est 24. Et que ce time taken, 10h jusqu'à 11h30, fais-toi, 1h30, ça veut dire 1,5 hours. Ça divisé par ça, simplifié, tu obtiens ça. 16 km par heure. À cette partie B, maintenant. A car travels at a constant speed of 10 meters per hour for 80 seconds. Alors, très simple. Ici, nous avons un speed time graph, nous connaît. Dans les premières 80 secondes, alors 0 à 80, ce speed lit, c'est 10. Alors, 10, jusqu'à là, il est pour 10. Il est pour constant, constant speed. Il est pour la ligne horizontale, nous la zone avec 10 à 10. Ok, ça c'est rempli, désolé. Vous arrêtez là, le 80. I say, it then decelerates at a constant rate of 0,5 meters per square until it stops. Ça veut dire, sa vitesse initiale, ici, 10. Vitesse finale, until it stops, il est à 0, d'accord? Et que nous comprenons qu'il est deceleration, c'est-à-dire sa accélération, ici, moins 0,5. Mais nous connaissons quand il est arrêté, nous avons reçu time taken. Nous connaissons accélération égale final speed moins initial speed divisé par time. Alors, time égale moins 10 divisé par moins 0,5. Réponse ou 20. Alors, depuis là, il prend 20 secondes, 80 plus 20 mètres, 100 pour l'arrêter. Alors, réponse ou ça, zone avec ça. Et nous avons ça avec la ligne droite qui fait, à gauche de toi ici, à tes constant rate, bien straight line. Ok? Ça c'est question pour CB. C'est pas son question numéro 13. Write down this number in standard form. Alors très simple, comptez. Depuis là, N, D, 3, 4, 5. Fais-toi. 5,3. Fois 10 puissance moins 5. Quand tu bouges côté droite, tu obtiens augmente power par minus sign. Quand tu bouges côté gauche, tu augmentes power par plus 5, bonne valeur. Tu comprends? Alors, c'est la différence. Fait que moi, tu peux 53 0 0 0. Tu peux compter depuis là. N, D, 3, 4. Tu power les positif. Alors, 5,3 fois 10 puissance 4. Mais ça, nous augmenter par ici, N, D, 3, 4, 5. Donc, augmenter depuis côté droite, ce par haut, pour négatif. Ok? À cette partie A. À cette partie B, nous allons évaluer sa expression. Hein? Give your answer in standard form, alors N pour N. Nous simplifions ça. Ça, nous ne pouvons pas fois par ça. Alors, N.5 fois 8 fois, nous avons ça, 10 par 14 fois 10 par 6. Alors ça, comment fais-tu? Fais-le. Pour mes affaires, nous avons ignore decimal place, nous prenons 15 fois 8. 5 fois 8 fais-tu? 40. N fois 8 c'est 8. 8 plus 4 fais-tu? 12. Mais comme nous avons N decimal place là, nous avons compte N decimal place. Nous avons 12. Ça fait 12 fois. Ça fait 10. 14 plus 6 c'est 20. Mais the laws of indices. Quand on base pareil, nous pouvons ajouter cette power ensemble. Quand nous multiplions, nous ajoutons 14 plus 6 fait 20. Mais à cette question de monteur, tu peux exprimer ça en termes de standard form. Alors, nous pouvons ça pour n ici, fait n.2 fois 10 puissance n fois 10 puissance 20. Réponse 1. n.2 fois 10 puissance 21. C'est question numéro 13. Ok, à cette façon, question numéro 14. The length of a path is measured as 62 meters. Ça veut dire longueur de la route en chemin nous mesurons en tant que 62 mètres correct to the nearest meter. Alors, correct to the nearest meter. Ça veut dire nearest 1 meter. Okay, ça c'est le meaning de nearest meter. À ce dire,
Write down the upper bound for the length of the path. Nous écrivons sur upper bound. Alors, comment on écrit bound? Upper soit lower bound. Très simple. Nous prenons sur amount measured, ça veut dire soin 2. Nous écrivons plus, minus. Nous écrivons sur nearest measurement, là, nearest meter, 1 n, divisé par 2. Tout le temps divisé par 2. Alors, soin 2 plus half, fais-toi, soin 2.5. Soin 2 minus half, fais-toi, 61.5. Alors, write down the upper bound. Upper bound, c'est ça, d'accord? Soin 2.5. Mettre question partie A. À cette question partie B. The mass of a bag of peanuts is 80 grams. Ça veut dire le poids d'un sac de pistaches, lit 80 grammes. Correct to the nearest 10 grammes. Ici, lit nearest 10 grammes. D'accord? À cette première affaire, ce qu'il n'est pas capable de faire, il n'est pas capable de retour, lower et upper bound. Très simple. Première affaire, écrire ce measurement du 80. Écrire plus, minus. Écrire ce nearest value, lit 10. Et tout le temps, divisé par 2. Alors, 10 divisé par 2, c'est 5. 80 plus 5, c'est 85. 80 retiré 5, c'est 75. Alors, ça c'est sur upper bound, c'est sur lower bound. Question. Calculer the lower bound of the mass of 5 of these bags. Alors, comment tu peux masse de 5 sacs de pistaches? Très simple, normalement tu peux dire un sac les 80, mais 5 sacs nous faire 5 fois 80. D'accord? Mais à ce numéro de ce lower bound, bien sûr, nous prenons valer là en bas. Nous prenons ce 5 fois 75. Parce que ça c'est ce lower bound value. Alors, 5 fois 75. 5 fois 5, c'est 25. 5 fois 7, c'est 35. 35 plus 2, c'est 37. Sorry. 35 plus 37. Alors, 37, 3, 75 grammes sur valeur de lower bound de 5 sacs de pistaches. Ça, c'est question partie 14. Passons à question à numéro 15. Attends. Use a ruler and a compass only in this question. C'est bien la règle avec un compas dans la question. Là. Ok. À cette question, partie A, nous avons construct the locus of points inside, en dans ça, sa shape là, sa quad là, qui, première condition, lit, nous avons 6 cm depuis 6. Donc, très simple. C'est bien la règle. Et que nous compas. Nous allons mesurer 6 cm depuis 6. Alors 6 cm, fait-on combien? Si 6 cm fait-on environ ici, depuis le point S. Alors, donc, le point S, nous dessinons un arc avec valeur de radius, avec valeur de 6 cm. Mais seulement, nous allons mesurer en dans la chèvre là. Alors, depuis là, on va dire ici, c'est en dans. C'est qu'en condition numéro 1. À cette condition numéro 2, il y a besoin d'équidistant de A side là et A side là. QP, QP avec Q. À cette ouverture, nous avons Q avec Q commun. Quand nous avons une condition comme ça là, nous devons comprendre que nous devons dessiner un bisecteur de longue Q. Q ni commun. Alors, très simple. Nous avons que nous, side, que nous avons Q, que nous avons une valeur de Q ici. Et que nous prenons nos compas. Nous mesurons une valeur, peu importe la distance, mesurons ici, nous pouvons couper l'arc ici et l'arc ici. Okay? Étape numéro 1. Alors, c'est la même longueur, nous allons avoir un point ici là. Dessinons un arc en intérieur ici et à l'autre point ici là, dessinons un autre arc pour joindre le premier arc. Vous voyez, nous prenons un point intersection ici. Alors, ça, point-là, je l'ai avec Q, pour une toi, the angle or the bisector of angle Q. On dessine ça pour nous rester satisfait de condition numéro 2. Ok, ça c'est partie 2. À cette partie B, nous avons un shaded region inside à l'intérieur de quad PQS containing the points that are partie 1. Plus que 6 cm de BS. Alors, plus que 6. Alors, on a 6 plus 1, on a là. D'accord?
plus que 6, vous êtes DO. DO, ça. D'accord? Ça, c'est pour mes conditions. Déjà, vous appelez proche avec QR qui est QP. Alors, vous appelez proche avec QR pas ici. D'accord? Alors, combine tous les deux conditions de gain. Plus qui? 6. Et plus près avec QR. Ça, c'est la réponse. Partie B. To. Shaded region. Ça, c'est question numéro 15. Ok, assez passons à question numéro 16. Alors, ici, c'est une question de indices, très simple. What value de 2K? Alors, on commence à simplifier. Pour mes affaires, on amène ça en dedans. Faites-toi. Y. K fois moins 2C, moins 2K, égale Y power 5. À ça comme de base, les Y avec Y, nous sommes capables de cancel. Les pareils. Du point A, moins 2K, égale 5. K plus égale, moins 2,5. D'accord? Ça c'est? Question pour TIA. À ces questions, on va pas JB. Simplifiez ça. Alors, très simple, encore par the laws of indices, de gain, x n o 3, nous fera par 3 sur par 1. Pareil ici, 2, il y a 2 qu'il y a 2c bien sûr, 2 par n, donc ça fera par 3, on gagne 3. Pareil ici, par 3, donc on gagne, couper, couper ici, donc on gagne x, l'eau, 8, x par 3, simplifié, donc on gagne n, l'eau 8, x par 2. C'est réponse partie B. C'est question numéro 17. In a sale, the price of a coat is reduced by 25%. Okay. Dans la vente, dans sold, le prix d'un jacket, nous réduisons ça, nous ne discounted pas 25%. Ça veut dire si nous pensons, prix initial est pour 100%, quand nous retire 25%, le prix de sol, c'est 75%, le price. D'accord? Alors, the sale price, le prix de sol, lit 120. Ça veut dire, le prix de sol, c'est 120, mais nous connaissons lit égal 75%. Alors, 75%, c'est au fait 120 dollars. D'accord? Calculate the price of the coat before sale. Alors, before sale, c'est 100%. Très simple. 75% égale 120 dollars. 100% égale le price before sale. Comment on retient ça? Très simple. Faire 120 divisé par 75% et fois 100% pour ce valeur initial. Alors, ça cancel avec ça. Divisé par 25, donc on gagne 3, 4. Divisé par 3, on gagne 4, 0. 160. Réponse partie 17. C'est ce prix initial before discount. Passons à question numéro 18. Le y is inversely proportional to the cube of x. Alors, cube of x, ça veut dire quoi? Cube of x, c'est x power 3. Alors, y est inversely, alors proportional, inversely, c'est n log cube of x. Quand inversely, ça veut dire n log avalé là. D'accord? So now, we have to use when x égale half. Y égale 24. Nous allons servir à des valeurs là pour nous rendre constantes. Constante, c'est en fait, soit sans sans signe là, ni aussi égale y égale, sans ça même égale, k log x par 3. Mais assez, nous allons servir à des valeurs là pour une valeur de k. Ok? Alors, y c'est 24 égale k log half par 3. Alors, K fais-toi, fais cross-multiply bien sûr. Donc il y a 24 fois n log 8, c'est 3. Alors, find a formula for y in terms of x, remplacer ici y égale 3 log x power 3. Réponse partie A. À cette partie B, find the value of y, ou la valeur de y quand x égale n log 3. Alors, très simple, remplace ça là-dedans. Ou la valeur de y quand x égale n log 3 cube. 3
low n, low 27, fait 3 fois 27, fait 2,80 n. Réponse, y égale valet 2,80 n. C'est question numéro 18. Okay, c'est passons à question numéro 19. On Monday, 40 adults and 20 children visit a museum. Ça veut dire, dans lundi, il y en a 40 adultes et 20 enfants vont à un musée. Mardi, c'est 30 adultes et 35 enfants à ce même musée-là. C'est le prix d'un ticket pour adultes, 2,5 dollars, et le prix d'un ticket pour les enfants, 10 dollars. Ok, ça c'est une information qui ne donnait pas la question là. C'est l'information représentée par deux matrices, M avec N. M égale ça, et N égale ça. Alors, pour observation, qu'est-ce qu'on peut réaliser? Pour réaliser qui? 40 et 20, ça veut dire ça, rho là, il est Monday, d'accord? Et que ça, rho ici là, 30 et 35, bizarre, Tuesday. Et que ça, qu'est-ce qu'il y a? De réaliser qui? 2,5, c'est prix adulte, et prix enfant, c'est 2, c'est prix enfant, d'accord? Ça, c'est les deux matrices M avec N. À cette partie, il y a rho de M fois N. Très simple. Alors, M, c'est 40, 20, 30, 35, fois N, c'est 2,5 fois 2. Alors, c'est rho fois colonne. Alors, c'est rho, c'est ça fait 40 fois 2,5 plus 20 fois 2. Rho fois colonne. C'est rho fois colonne. 30 fois 2,5 plus 35 fois 2. Simplifié. Top gain. On va ça 0 ici, 25, 25 fois 4, c'est 100. Plus 40. Ça fait combien? Ça coupé, ça vient là, ça vient soit 15, plus soit 10. 35 fois 2, c'est soit 10, d'accord? Simplifié, top gain, valeur 2, 140 et 145. Ça, c'est MN représente ce qu'ils ont fait. Tu vois, ça, c'est le revenu on Monday. C'est le revenu on Tuesday. D'accord. À cette partie 2, explain what numbers in your answer in part 1 represent. Comme on dit, c'est ici, il y a total amount, total revenue, earned on Monday and Tuesday, respectively. D'accord? Ça, c'est partie 2. À cette partie B, the museum increases the cost by 10%. Alors, le musée augmente son prix par 10%. Alors, complete matrix P to show the new ticket cost. Alors, très simple. Donc, on a un prix initial pour adultes, c'est combien? 2,5. Prix initial pour enfants, 2 dollars. Si tu augmentes le prix là par 10%, en fait, il y a deux façons de faire la question. On va faire les façons plus faciles. Alors, on commence avec ça. Par combien tu augmentes le prix là? Alors, 10%, 10 au 100, fois 2,5, top gain. Couper, couper, top gain, 0,25. Ça veut dire nouveau prix, bizarre, prix avant, 2,50, plus par combien il montait? Fais-toi, prix nouveau. C'est prix adulte, 2,75. Alors, pareil ici. Ça, c'est prix initial, augmenté par 10%, 10 au 100 fois 2, et toi, 0,2. Alors, nouveau prix pour prix initial, plus augmentation, c'est 2,2. Alors, 2,2, c'est nouveau prix. Alors, ça, c'est matrix P. Question numéro 19. Ok, à cette façon, question numéro 20. Here are the first four terms of a sequence. Dans une sequence de, il y a un premier quatre termes. Ça, et ça, et ça. You know? Quatre fractions. Find an expression for the nth term de la séquence-là. Alors, très simple, ça c'est premier terme, deuxième terme, troisième terme et quatrième terme. Alors, c'est le méthode qui nous sert ici. Nous get n par n. Ça veut dire la cause du nom n, numérateur et dénominateur, nous avons là-haut là avant, après nous avons en bas là. Alors là-haut là qui peut être.
Premier terme, deuxième terme, troisième terme, quatrième terme. Premier terme les 12, la longueur 17, la 22, la 27. Nous réalisons qu'à chaque terme, un terme vient l'autre terme, les augmenter par le même montant, tu vois? Il vient plus 5, plus 5, et plus 5. Ça veut dire, si les augmenter par le même montant, nous prenons une arithmétique progression. Alors, nous créons, quand on est en plus 5, nous créons 5n pour l'instant. À ce que nous réalisons, nous allons tester ça. Fait que moi, j'ai un premier terme, 5 fois n. Tu gagnes. 5 fois n, supposé d'une toi valeur 2, nous te gagnons 5. Mais nous connaissons le premier terme, les 12. Alors, comment tu fais 5 moins 12? Nous besoin plus valeur 2 de 7. Alors, ici, c'est pareil, plus 7. Alors, le terme là-haut, là, il vaut 5n plus 7. Donc, on va tester encore une fois. Fait que moi, j'ai n l'idée. Donc, on est quand n l'idée, quand nous, second terme, nous supposons qu'il y a 17. Tester. 5 fois 2 plus 17, fais-toi. Plus 7, fais-toi 17. Alors, réponse confirmed. Il est bon pour là-haut, là. Ça, c'est tout. Terme, nth terme pour nous, numérateurs. Restez nous zéro de ça en bas là, séparément. Alors, on a premier terme, deuxième terme, troisième terme, quatrième terme. Donc, on a 16 ici, 25, 36 et 49. Mais restez nous réaliser, ça va être là-bas, ben square numbers, d'accord? Donc, on va écrire les autres en termes de 4 squares, 5 squares, 6 squares et 7 squares. Ok? Alors, quand on a terme numéro n, qu'est-ce qu'on fait avec terme? On fait n plus 3 square. Fait 4, 4 square. D'accord? Quand on a terme numéro 2, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 plus 3 square. Ça fait 5 square. Terme numéro 3, pareil. Tu as 3, on plus ça avec 3 square, fait les 6 square. Ça veut dire, à chaque fois, dans chaque terme de plus 3, plus 3, plus 3, alors par observation, on a un terme qui nous fait le n plus 3 square. Alors finalement, nous réalisons qui? Nous, terme là, on a besoin 5n plus 7 divisé par n plus 3 square. Ça, c'est tout. Un terme pour un sequence. Alors, étape par étape, n pour n, on dérive nous un terme. C'est question numéro 20. C'est passons en question numéro 21. Nous allons écrire sa expression-là. Fait l'évident complete square form. Alors, très simple, on va faire étape par étape. Donc, on va expander ça. Donc, x square plus 2ax plus a square plus b. À ce nous faire par comparaison. Par exemple, donc on a ici, c'est bien sûr n. La n comparé avec n, correct. Ici, nous avons 2a comparé avec 10. Ça veut dire 2a mis égal 10, a mis égal 5. D'accord? À ce ici, constant, nous compare avec constant. Donc, on a a square plus b. Supposé qu'il y a 6, a square c'est 25 plus b égale 6. Et alors, b égale 6 moins 25, tout gagne moins 19. Moins 19, c'est pas HP. Assez, nous remplace ça dans nous. Expression aussi, top gain. X plus A, A c'est 5, plus 5. Square moins 19. Ça, c'est nous. Expression pour completing squares de sa expression. C'est pas HP. Use your value. Servir la valeur de la partie A pour sauver l'équation. Alors, très simple. Nous connaissons ça. Nous sommes capables de réécrire ça. En sa forme là, x plus 5 square moins 19 égale 0. Solver pour valeur de x. Solver, ça veut dire rôle valeur de x. Ça fait x min subject of formula. Alors n pour n, x plus 5 square pour égal 19, x plus 5 pour égal plus minus root 19, et finalement, x pour égal moins 5 plus minus root 19. Alors, P avec Q, PC moins 5, QC 19. Question pour B. C'est question 22. Exprime sa fraction là, in its simplest form. Alors, très simple, c'est une fraction plus une autre fraction.
Alors, pour mes affaires, nous réalisons qu'ils ont une base différente. Il y en a x retiré 7 ici, x plus 5 là-bas. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Tu as besoin de simplifier. Alors, d'habitude, quand on a la fraction avec différentes bases, nous multiplions les autres pas jusqu'à mode. Donc, hein? X moins 7 fois x plus 5. Là, nous faisons faire cross multiply. 3 fois, ça fait quoi? 3x plus 15. Il y a plus là, plus. 2 fois, ça fait quoi? 2x. Moins 14. Simplifier. 3x plus 2 fait toi 5x. 15 moins 14 donne plus 1. Divisé par x moins 7 fois x plus 5. Réponse partie numéro 22. Passons à question numéro 23. Triangle A and triangle B are drawn on the grid. Ça veut dire qu'on a un dessin ici, un graphe, et l'un doit triangle A et triangle B. Ok? C'est la partie A. Describe fully the single transformation that maps A onto B. Alors, quelle transformation qui map A jusqu'à B? Alors, nous faisons par élimination, par exemple. Nous connaissons dans haut level, nous avons juste quatre transformations que nous allons prendre. Première, c'est translation. Deuxième, c'est reflection. Troisième, c'est rotation. Et quatrième, c'est enlargement. Alors, pour élimination, bien sûr, vous trouvez ça. Comme sur orientation d'une sensée, il n'y a pas une slide. Ça, il va beaucoup pas de translation. Et pour observation aussi, il n'y a non plus une réflexion. Et bien sûr, ce size, il paraît, il n'y a pas de sensée. Et que sur direction, un peu sans direction. Pas capable un logement il faut besoin une rotation alors point numéro 1 donc vous gagnez utilisez rotation assez qu'on nous describe une rotation nous avons reçu center of rotation mais aussi l'angle de rotation alors étape par étape comment tu reçois center of rotation nous prenons des corresponding points ça ce point là nous connaissons divine ce point là nous jouons les tout vous gagnez ça zone avec ça. Et que si nous connaissons ce point-là, nous devons ce point-là. Nous devons ça là. Ok. Ainsi, nous dessinons le perpendicular bisector de A, la ligne là. Alors, ça, qu'est-ce que le perpendicular bisector? Normalement, tu vas servir un compas, dessiner un arc pour le retour, perpendicular bisector. Mais ici, je ne peux pas faire par observation, W. Pour ce point-là, ce point-là, lit 1, 2, 3, 4, 5, 6, la moitié des poules là, halfway, à 90 degrés. Ça, c'est ça, perpendicular bisector. Ça, c'est partie N. C'est la deuxième partie pour ce point-là, bien sûr, à 90 degrés, vous avez environ ici, d'accord? La moitié exactement au milieu, alors ça, c'est nous, perpendicular bisector de la ligne là. À ce côté-là, du zone, nous prenons un point d'intersection ici. Ça, c'est nous, rotation. Quand le zone, c'est nous, center of rotation. Ça veut dire, ça point, c'est l'époux. N moins N, c'est tout, center of rotation. À ce qui est sur angle of rotation, nous avons soit, dans haut level, nous avons soit entre 90 degrés, 180, et 10. Mais d'habitude, c'est juste ça et ça pour réponse. Baf checker. Nous faisons après élimination, bien sûr. Donc, on a ce point-là, depuis à centre là. D'accord, nous avons ça. Ça, c'est sur objet. Sur image, nous avons ça. Nous avons ça et ça. Nous trouvons la longue ici, là. Bien sûr, les 90. D'accord, les rectangles. Pour élimination, bien sûr, la longue, il paraît 90. Il n'est pas capable de 180, il n'est pas capable de ça, alors il peut viser ça. Alors, angle, lit 90 degrés. À cette question de direction, tu vois, A, limite B, lit, bouge comme ça. D'après ton pendule, d'après ton clock, I guess. Donc, tu vois, la direction aussi, clockwise direction, alors, 90 clockwise. Alors, ça c'est le premier point, le deuxième point, et le troisième point. Alors, trois points. C'est montré à 3 réponses à la rotation. Center of rotation avec direction de rotation. C'est partie A. C'est partie B. Transformation P
Nous représentons par la matrice A. Alors, très simple. Nous avons fait le mesure connaît, c'est la transformation. C'est une matrice en termes de la formule K, 0, 0, K. Nous avons connaît automatiquement, ça c'est un enlargement. Et ce scale factor, c'est K. Par exemple, ça, nous connaît, il y a aussi un enlargement. Et ce scale factor, il y a minus half. Nous avons connaît ça tout de suite. À cette question, P maps A onto C. Alors, depuis A, pour une C, au triangle C. Alors, nous avons bien sûr deux méthodes pour faire ça. N, c'est par matrix multiplication. Et l'autre, c'est bien sûr, nous ne pouvons pas dessiner ça dans nos graphes directement. Alors, nous savons les multiplications les plus faciles, en fait, les plus directes, plus simples. Alors, triangle A, c'est un point qui était. Bon, regardez, ça c'est point. Moins 2, 4, alors moins 2, 4. Ça c'est point. Moins 2, 0. Et ça c'est point. Moins 4, 0. Ça c'est point, matrice. Ça c'est point, triangle A. Ça nous donne sa formule là. En fait, c'est autant matrix times object égale image. Alors, matrix, maintenant devant. Fois object double image. Ok, alors solver ça. Alors la moitié, minus half fois ça double, valeur de n, plus 0 double n. So rows by column double pareil, double ça double n, ça pouvait 2. Rows by column, ça pouvait minus 2, 0, 0. Ça c'est le point, mon triangle c'est. Ok, alors nous appelons ça dans nos graphes. Alors, point à point, c'est moins n, so n moins 2. Alors, n moins 2, c'est bien sûr ça là. Ok, en fait, ici, il y a une erreur, en fait. Parce que point là, c'est en fait point moins 4. Alors, ça, c'est supposé moins 4. Ça fait être plus 2, en fait. Alors, n2, n2, c'est ça. N0, c'est ça. Et que 2, 0, c'est là. La réponse, ça, je viens avec ça. Avec ça, c'est au triangle C. Et ça, c'est la réponse, partie B. Alors, le méthode principale, c'est bien sûr matrix fois objet égale image. Alors, matrix, c'est P, fois objet, c'est triangle A. Ça va même point, même vertice de triangle A, tout égale image. Image, c'est triangle C. Donc, il y a ça, tu plots ça, tu graphes. C'est le triangle C. Alors, ça, c'est question partie B, question 23. C'est passons à question numéro 24. A group of office workers are asked to record the distance D en termes de kilomètres they travel to work. Ok, ça veut dire, nous demandons à un groupe de travailleurs, mesurer cette distance qu'ils ont besoin de voyager pour le travail. The results for some of their journey is are shown in the histogram. Ça veut dire nous montrer ce résultat dans un histogramme. Some, seulement pas tout le monde, some of them. À cette question, there were 20 workers, j'ai 20 travailleurs, dans un groupe de 0 à 5. Alors, 0 à 5, c'est ce groupe-là. Alors, ça ici, donc on est sur frequency, nombre de travailleurs, c'était 20. OK? Question? Vous avez complété le histogramme. Alors, n pour n. Pour commencer, nous avons fait ici. Donc, on a ici ce groupe de travail, c'est 20. Alors, frequency density, c'est combien? C'est valeur de 4. Alors, d'habitude, quand on a frequency density, nous avons une formule. Formule, c'est frequency density égale frequency divisé par class width. D'accord? Alors, donc on a valeur ici, c'est quoi? C'est 4. Frequency de 20 divisé par 5. Alors, nous gagnons ça. Alors, très simple. Nous avons complété le histogramme. Alors, ici, there were 20 workers, c'est 3 workers, dans un groupe là, 20 à 40. 20 à 40, il y en a 20 travailleurs. Alors, comment est-ce que le rôle de frequency density? Frequency, si. C'est 12 divisé par class width, c'est 40 moins 20, c'est 20.
Alors, réponse une combien? Divisé par 2, tu obtiens 10. Tu obtiens 6. Alors, 10 divisé, 6 divisé par 10, tu obtiens 0,6. Alors, réponse pour une? 0,6. N, D, 3. Ici, avec 3 ici. On a besoin de ça pour nous compléter, nous. Histogramme. Qu'est-ce que c'est? Question pour TIA. À cette question pour TB, calculate the percentage of the workers who travel more than 20 km, plus qu'il 20 km pour le travail. Alors, pourcentage, c'est bien sûr le nombre de travailleurs sur, en tout comme un jumelé, non? Fois 100 pour le pourcentage. Alors, un point. Nous connaissons ici, nous avons 20 jumelés. Ici, comme un jumelé, non? Alors, fréquence égale ça fois ça. Alors, classe 8, c'est 5. 10 retiré 5, c'est 5. Fois FT, 5 fois ça fait à 30. D'accord? C'est ça. Frequency pour un groupe là. C'est ça. 20 retiré 10 fait à 10. 10 fois 1,8, c'est 18. Ça groupe là, on a 18 dimoun. Exemption 12, given by the question. En tout, combien dimoun maintenant? 18 plus 12, 30. 30 plus 30 fait à 60. 60 plus 20 fait à 80. En tout, on a 80 dimoun. À cette question, combien de monde voyage plus que 20 km? Alors, ici c'est 20 km, plus que 20, c'est autant, c'est 12 moon. Alors, 12 moon, l'eau 80 fois 100 pour pourcentage de personnes. Alors, je simplifie ça, on coupe avec ça. Divisé par 4, donc 3. Par 2 ici, donc 3 ici. Couper N, top gain, 5, 15, réponse est 15%. Alors 15% du monde voyage plus qui 20 km. Ok, mais ça fait un plein important ici, c'est nos routes sur fréquence d'abord. Alors combien du monde on a en tout? Pour le rôle de fréquence, c'est bien sûr fréquence, le cross multiply top gain, fréquence density, c'est ça, valeur ici là, fois class width. Class width, c'est. Par exemple, ici, nous avons un bord de 10 à 5 sur classe 8, c'est 5. Nous avons un bord de 10 à 20 sur classe 8, l'époux 10. 20 retiré 10, l'époux 10. Alors, pour la fréquence de chaque groupe, nous apprenons ça fois ça. Donc, 30 ici, 18 et 12. Ça, c'est H20, d'après nos questions. Nous avons juste de tout pour nous gagner le nombre de travailleurs en tout qui nous en a, 80. Et nous avons servi ça pour nous rendre nos pourcentages pour question partie B, 15%. Ok, c'est passons en question numéro 25. Et toi? The algebraic function, ça, can be simplified to give this. Ça veut dire, ça, lié au c égale ça, mais nous devons simplifier ça pour gagner ça. Mais nous avons une valeur de a avec b dans l'équation là. Alors, n par n, étape par étape, là on a 2x square moins 5x plus a, l'autre valeur de x square moins 16. Ça, c'est posé d'une toi 2x plus b, l'eau x plus 4. D'accord? Assez pour ça, va laisser, donc on va simplifier. Simplify ça. Donc on a x square moins 16, c'est aussi x square moins 4 square. Ça veut dire difference of squares, ça fait toi x moins 4, x plus 4. D'accord? Alors, simplifier, donc gain 2x square moins 5x plus a. L'eau, ça va aller là. X moins 4. X plus 4, donne-toi 2x plus b. Ça, bien sûr, tu x plus 4. Alors, ça, avec ça pour cancel out, et nous faisons cross multiply. Donc, gain 2x square moins 5x plus a égale 2x plus b fois sa valeur ici là, x moins 4. Alors simplifie ça, tu peux gagner avec ça. 2x fois ça, tu peux gagner 2x square moins 8x plus bx moins 4b. Ça fait toi 2x square. Factorise x outside, tu peux gagner plus b moins 8x et moins 4b. Alors, comparer à ce ça, comparer avec ça, dit pareil.
ça, compare avec ça. Alors, moins 5, supposé d'une toi, b moins 8, ça veut dire b égale moins 5 plus 8, ça veut dire 3. Et que ça, moins 4b, supposé d'une toi a, ça veut dire moins 4 fois 3. D'une toi a, ça veut dire moins 12. Réponse A, c'est moins 12, et que B, c'est moins de 3. Alors, l'étape pour étape de simplifier, mais me trouver ça ici, là, ça, vous connaissez bien sûr. Connaître la différence de square, ça fait que moi j'ai A square moins B square. Donc, par factorise-les, top gain, A plus B, A retire B. Ça, c'est N, ça fait que vous connaissez la question-là, plutôt le valet de A avec B. OK? Et que ça, c'est deux questions, numéro 25. Et que ça, c'est papier N22, mai-juin 2021.